Yo les gens, c'est Nexa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo où je parle de YouTube. Voilà, je devais pas faire cette vidéo de base et je me suis dit vas-y, pourquoi pas en parler, parce que en ce moment je suis un peu blasé. Bah comme vous voyez, je suis un peu blasé et tout. Hier j'étais blasé de ouf, c'est à dire que hier j'ai posté une vidéo qui je pensais qui allait bien marcher. Enfin de base ce genre de vidéo marche bien, etc. sur ma chaîne. Et je sais pas pourquoi elle a tapé 6000 vues. Et toutes mes dernières vidéos n'ont pas forcément tapé beaucoup de vues. Et voilà, j'aimerais vous dire mes hypothèses de pourquoi je tape plus autant de vues. Et je vais parler un petit peu de YouTube parce que je pense que c'est YouTube qui, tout simplement, nous font ça, quoi. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite juste à lâcher ton petit like, ça me ferait super plaisir. Parce qu'en ce moment, c'est la crise, comme tu vois, avec l'algorithme YouTube. Donc, s'il te plaît, mets un petit like, ça me ferait super plaisir, ça peut m'aider qu'à moi. Et j'espère, tout simplement, que tu vas liker, ça me ferait super plaisir. Donc, comme vous avez vu, je retape des vidéos tous les jours. Voilà, il y a des vidéos tous les jours sur ma chaîne. Et depuis l'algorithme YouTube, le nouvel algorithme YouTube, je tape plus beaucoup de vues, je tape plus les mêmes vues qu'avant. Donc, avant, je tapais des 10 000 vues très facilement. Même, franchement, j'ai tapé tranquille, tu vois. Et depuis ce nouvel algorithme que tous les youtubeurs en parlent, je tape plus autant de vues. Moi personnellement, je me pose des questions, tu vois. C'est soit ma faute, soit YouTube. Il y a plusieurs hypothèses, tu vois. Je vais vous énumérer des hypothèses après. Mes hypothèses, j'ai trois hypothèses, mais je vais vous énumérer ça après. Mais juste avant de parler de ça, tu vois, est-ce que c'est ma faute, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est ma faute, parce que hier je vois ça. Je tape ma vidéo, normalement les vidéos comme ça, je les tape, tu vois, ça plaît énormément, parce que j'ai un public Call of Duty, j'ai un public qui est pas forcément hyper fort à Call of Duty, qui sont assez chauds pour ce genre de vidéo, tu vois. J'ai sorti une vidéo, comment être un joueur pro sur Call of Duty. Ben, bref, c'est un titre, hein, c'est un titre, y a rien de, tu vas pas faire ça et tu vas devenir un joueur pro, c'est un titre, vraiment, y a des gens qui se comprennent pas ça aussi, c'est un titre, tu vois. Et je vous expliquais comment commencer la compétition, parce que j'ai repris la compétition, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce genre de vidéo, etc. Et du coup, je vous l'ai faite, pourquoi? Parce que moi, tout simplement, je fais ce que les gens demandent, tu vois. S'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire une vidéo, je vais la faire pour vous faire plaisir. Et voilà, tu vois, c'est donnant-donnant. Voilà, tu vois. Et après cette vidéo, j'ai tapé, j'ai tapé 6000 vues. Je suis à 6600 vues, il me semble. Et je trouve ça hyper naze, tu vois. C'est hyper naze pour un mec qui a 50 000 abonnés. J'ai 50 000 abonnés, gros. Tu te dis, 50 000 abonnés, je tape des 6600 vues en une journée. What the fuck. Et je me pose des questions, si c'est soit mon problème, si c'est soit moi le problème, ou soit YouTube. Parce que moi je pense que j'ai rien fait de mal, tu vois. J'avoue que j'ai fait des vidéos j'ai fait des vidéos nulles. Clairement j'ai fait des vidéos nulles, je l'assume. J'ai fait des vidéos où je parle mais sans rien dire. Enfin y a aucun message en fond, tu vois. Mais je devais la poster. Pourquoi? Parce que j'avais manque de temps, tu vois. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Là je fais cette vidéo, il est midi 13 et je dois le montage, etc. doit être fini à 13h. Donc c'est assez compliqué, je dois télécharger un gameplay, je dois tout faire. Mais bon, enfin, voilà, tu vois, j'essaye de faire mon maximum. Mais je comprends pas pourquoi il y a une baisse de vues comme ça. Soit c'est mon problème, soit c'est le problème de YouTube. Et pour moi, les hypothèses, c'est soit j'ai changé, les gens trouvent que j'ai changé, les gens ne regardent pas mes vidéos, donc première hypothèse. Soit la deuxième hypothèse, il y a les bugs de vue YouTube. Soit troisième hypothèse, YouTube nous encule. YouTube nous encule. Après, je sais pas si c'est un problème de moi ou de YouTube. Mais j'ai ces trois hypothèses là. Moi personnellement, j'aurais soit dit que c'est moi le problème, soit YouTube. Pas les bugs de vue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, Nextaz, il y a peut-être un bug de vue. Moi, je suis pas forcément. Enfin, je pense pas que ce soit ça, tu vois. Mais il y a des gens qui me disent ouais, Nextaz, c'est peut-être un bug de vue. Peut-être. Donc il y a trois hypothèses. Et pour moi, c'est soit moi, vous regardez plus mes vidéos. Soit tout simplement, il y a un bug de vue. Il y a YouTube qui nous encule. En gros, c'est ça. Et voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que moi, ça m'énerve de ouf. C'est-à-dire que si... En plus, ça se passe pas qu'à moi, ça se passe pour tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs en prennent plein la gueule. C'est-à-dire que tous les youtubeurs ne font plus les mêmes vues qu'avant. Je ne comprends pas. Enfin, peut-être qu'il y a un bug de flux instantanément sur toutes nos chaînes. Bref, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que c'est YouTube qui nous encule. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, je pense pas que j'ai changé parce que c'est pas ça. C'est même pas le changement le problème. C'est qu'en fait, ma vidéo d'hier, normalement elle aurait dû taper 10K vues. 10K vues en une journée, elle les aurait tapées. Pourquoi? Parce que les vidéos que je faisais avant, c'était ce type. C'était ce type, gros. C'était le même genre. Et ce genre de vidéo marchait énormément avant. Et là, je sais pas pourquoi, elle marche plus. Ma vidéo, la vérité sur les Père Noël tueurs. La vidéo, je suis désolé, mais j'ai fait une vidéo de merde. Je suis désolé, j'ai fait une vidéo de merde, etc. J'ai tapé 1200 likes. 1200 likes, je faisais quoi? Allez, 13 000 vues avec 1200 likes. Et là, j'ai tapé 7000.
Je sais pas si peut-être là c'est un bug de YouTube, peut-être là c'est un bug, je sais pas. Bref, je sais pas. Je crois que c'est YouTube qui nous encule. Je pense qu'il compte plus les vues comme avant, c'est-à-dire que avant ils comptaient les vues, ils comptaient les vues sur tout, et là je pense qu'ils ont supprimé des vues par rapport au clic, au clic, au clic. Et je pense que c'est ça. Et voilà. En tout cas, moi je tenais vraiment à vous en parler les frérots aujourd'hui parce que ça m'énerve de ouf. Je suis archi blasé en ce moment. À cause de ça, on va pas se le cacher. Et voilà, moi je tenais vraiment à vous en parler et à vous tenir informé parce que c'est pas qu'à moi, c'est à beaucoup de youtubeurs et tous les youtubeurs en prennent plein la gueule, on va pas se le cacher. Et si ça continue comme ça, je pense que YouTube ça va se dégrader énormément. Ça c'est obligé parce que voilà, ça va se dégrader gros. On va pas tenir une année en faisant 6000 vues, je suis désolé. Moi je tiendrai pas une année en faisant 6000 vues parce que tu te dis descendre de un tiers tes vues. C'est assez compliqué, c'est pour nous, hein. Après je sais pas, Squeezie et tout, ils s'en battraient les couilles parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Mais moi je gagne rien avec YouTube gros, je gagne rien et mon but c'est d'évoluer. Donc moi je pense que je vais faire du sale, je vais faire vraiment du sale sur ma chaîne. Et ça va être ça, je suis obligé de faire du sale, de faire des trucs que je voulais pas faire avant. Enfin pas du fake, hein, parce que le fake ça c'est sûr et certain, je ferai pas de fake. Mais je devrais faire des trucs que je ne devais pas faire. Donc les pranks de base je vais arrêter parce que j'ai plus trop envie d'en faire. C'est à dire que je trouve ça vraiment, comment dire. Bah déjà c'est, genre ça peut être marrant tu vois, mais il y a aucun message en fond et comment dire. Genre c'est triso tu vois, c'est une vidéo triso. Mais je pense que je vais faire ça, t'es obligé gros, t'es obligé. Quand je vois des gars qui tapent des millions de vues sur ça, et quand je vois des bonnes vidéos qui tapent pas beaucoup de vues, je me dis putain what the fuck, on se fait bien enculer. Et en tout cas voilà, je pense qu'on va être obligé de faire ça. Je pense que je vais être obligé de commencer à changer ma chaîne. Être obligé de faire du sale et de faire des trucs qui marchent. Parce que aujourd'hui déjà Call of Duty ne marche pas, IW ne marche archi pas. Et surtout ben voilà, si YouTube commence à nous enculer et changer les trucs, ben ça va être assez compliqué. En tout cas voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus pour m'aider, pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'espère que t'as compris le petit message. Voilà, soyez présents à toutes mes vidéos, 18h les frérots. Voilà, 18h et le week-end 13h. Donc voilà, on reprend les vidéos tous les jours. Vous inquiétez pas pour ça, je suis un peu blasé. Mais bon, on va reprendre le rythme. On va faire des trucs qui me plaisent aussi. Et de faire des trucs qui me plaisaient pas forcément, mais que je vais faire sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nextaz. Portez-vous bien. Puce. J'suis dans ma bulle. Faut ma Bulma. J'décroche la lune. Pour ma Bulma.